Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui c'est jour de match donc ça peut que aller bien sauf si on perd. Par contre, dehors il pleut beaucoup depuis ce matin donc j'espère que ça va aller avec la caméra. Sinon, je remonterai un peu en tribune, mais de toute façon, on verra bien comment ça se passe au stade. Je verrai bien si le vlog sort ou pas. J'essaierai quand même de vous faire quelques images au cas où je peux pas tout filmer. Ce sera peut-être un vlog de 4 minutes, mais dans tous les cas, j'essaierai de vous avoir quelques images. Donc on affronte Auxerre. J'espère qu'on va gagner. On sort d'un nul contre Strasbourg. Leur gardien fait un match exceptionnel aussi, il faut le dire, sinon on aurait pu gagner. Et après, ils ont bien joué aussi Strasbourg, ils font une mauvaise saison, donc là c'est mérité quand même pour eux. Aussi, j'avais un truc à vous dire, je devais faire le déplacement à Troyes la semaine prochaine, mais enfin, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle en même temps. Je peux pas y aller parce que j'ai trouvé un job étudiant, je cherchais un job étudiant pour moi me faire un peu d'argent et. Au final, ça me fait louper le déplacement à Troyes parce que je commence samedi prochain. J'avais déjà mes places pour Troyes, donc je les mettrai en vente. Et du coup, ouais, je loupe le déplacement pour toi. Mais ça veut dire que là, si je me fais de l'argent avec mon job étudiant, je pourrais faire plus de déplacements le dimanche, par contre. Vu que là, j'aurai, je pense, les moyens d'y aller. On verra bien comment ça se passe, combien je me fais, etc. Mais du coup, normalement, le dimanche, il y aura plus de déplacements qui ne devaient pas être prévus normalement, du coup. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas beaucoup de matchs le samedi après-midi parce que bon, il n'y en a pas eu beaucoup depuis le début de saison et au moment où je me trouve un travail, il faudrait pas que ça arrive. Donc on verra bien comment ça se passe. J'ai vu qu'il y avait des matchs le mercredi aussi, donc ça je pourrais y aller. À part ça, bon, je pense que c'est tout. À chaque fois je parle beaucoup en intro, j'ai essayé de pas trop parler là. On se retrouve au stade. Et allez, lance. Naomi, ça fait super longtemps qu'elle est pas venue. Tu sais, tu te rappelles ton dernier match ou pas? C'était il y a 2 ans, non? Oula, moi je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'était. En tout cas, son premier match, c'est une ancienne. Attends, envahissement de terrain. L'envahissement. Oula, bah, elle fait quoi là? C'était l'envahissement de terrain Lens-Brest. Voilà, petite anecdote. La pelouse. Et là, je sais pas ce qu'elle fait la caméra. C'est bizarre. Je vais essayer de la régler. C'est bon, normalement, il y a un problème, elle est réglée. Comme la dernière fois, j'avais pas vu assez de batterie avec ma caméra, j'ai pris une batterie externe. Au moins, je la recharge à la mi-temps. Et normalement, pour la fin du match, c'est bon. Par contre, ça va être chaud. Il pleut quand même un peu beaucoup. On verra bien comment ça se passe. C'est bon, on est arrivé. On attend tout le Kenzo qui va arriver par là-bas. Et par contre, comme on arrive un peu tard, il y a presque plus de place là. Du coup, la compo est sortie. Maintenant, je peux la faire là. On a 100 bottes en dessous au lieu de filmer pendant 5 minutes là. Du coup, il y a Samba, Danso, Sotoka, Fofana, Openda, Medina, Pereira, Da Costa, Aydara. Je suis contente, Aydara est titulaire. Abdul Samed, Gradit et Frankowski. Du coup, Aydara, bah, il a pris la place de Machado, je pense. Et puis après, bah, on a l'équipe d'habitude. Hein. De toute façon, après, il y a le banc qui suit. Et normalement, ça devrait faire, on devrait gagner. C'est l'équipe type là pour moi. Voilà, j'espère qu'on va gagner. Hola.
gagner hein, mais pour l'instant à part je crois que c'est Openda qui avait tiré, ça aurait pu passer mais il a tiré au dessus, mais sinon à part ça je pense qu'on peut gagner. Là c'est 1, 2, 3 par prise. Ah c'est un nouveau truc pour changer, je pars prise ou de carré de ville. Encore à lance 2. Ah si c'est le penalty là-bas, nous on prise, mais il n'y a pas encore qui contre qui. Et du coup ça va être Artois Sud contre Rost Warandin. Je dirais qu'il gagne à la fin. J'espère qu'on va gagner en deuxième mi-temps qu'on va marquer parce que une mi-temps sans but c'est pas pareil. En plus il n'y arrête pas de pleuvoir, il fait un peu froid. Il chante même pas lui. Gênant. Ouais, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant sur la première mi-temps. Du coup, c'est Artois qui a perdu 5-1 contre Roust-Warandin. Ça va reprendre un peu plus, quoi. Mais ça va. Allez, ils sont là, attends. Allez, lance.
Ils arrivent pas. Nous sommes allés ensemble. Ils arrivent pas à marquer là, les devins et faire des grosses occasions. Et nous allons gagner. Et nous allons gagner. Il faut marquer. Ils ont failli marquer. Allez, il y a beaucoup froid pour nous là. Ça serait bien de mettre. Je me sens bien. Lolo. Allez, sang. Allez, sang. Les sang et oh. Allez, les sang. Allez. L'arbitre, je n'ai pas compris, là. Il a pas mis carton à... au 95 Auxerre, j'ai plus son nom. La France sur Bastadio, pénalty normal. Attends, mais là tu comprends. Parce que je sais pas si elle est en dehors de la de... Ah, de la surface. Ah, surtout quand elle se met pas de pénalty, c'est pénalty. Elle était dans la surface, sur Bastadio. Ah, mais Bastadio elle m'a lâché. Pénalty. Naomi, en fait, tu portes de chance. Eh, pas trop vite. Ouais, il l'a pas encore mis, merde. Allez, c'est dommage, je peux pas zoomer plus. Je sais pas si on voit vraiment bien. J'espère qu'ils vont célébrer là s'ils le mettent. Allez. Encore, on a fini le dernier match, mais encore à Boulard.
s'est passé. On les a chicotés. Oh les les. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Qui a fait le chicoté à la fin. Encore victoire. 2 à domicile plus 3 points. Du coup, on reste deuxième, c'est sûr. On est tous des mauvais pronostiqueurs. J'avais dit 3-0. T'avais dit 2-0. T'avais dit 2-1. T'es vraiment nul. C'est moi la plus loin. C'est moi la plus nulle. Bon, du coup, c'est la fin de la vidéo. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur ce match. C'était pas le meilleur match qu'on a fait. Il y a eu 15-0, mais le principal, c'est la victoire à domicile, encore une fois. Et Bollard, c'est une forteresse imprenable, vraiment. Naomi, comment s'est passé ton retour au stade? Je vais revenir bientôt. Voilà, elle est repartie, ça y est. Maintenant, il faut qu'elle apprenne le nom des joueurs parce que c'était pas encore trop ça. Et toi, c'est qui le Jean? Jean, c'est Jean quoi? Jean-Luc Milka. Jean-Luc Milka. Maintenant, on renomme Jean-Louis Eka, Jean-Luc Milka. Voilà, c'est comme ça, c'est quelqu'un qui l'a dit. Je sais pas, ça doit être avec la pluie, le froid, etc. Il y avait un peu moins d'ambiance que d'habitude, mais il y avait toujours de l'ambiance quand même. Un peu moins que d'habitude, donc voilà, juste ça. Et on se retrouve pas trop du coup. De toute façon, il y a Nice avant, je crois, mercredi. Il y aura Nice à mercredi. Voilà, je sais plus si ça. Non, c'est après. J'ai plus. Franchement, je sais plus. Je suis perdue là. Il commence à repleuvoir, donc je vais couper. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à Lens-Nice. Salut! Dis au revoir. Au revoir.